One Love, fini. Plus de clips pour le rappeur NH. Je bosse plus avec les gens qui sont pas de parole. Alors le rappeur NH, il vient me trouver. Pour me proposer de faire un clip pour lui. Il me propose 100 euros, tournage et montage compris. Ce qui est peu pour le travail fourni. Il me téléphone la veille du tournage et il me dit qu'il sera là entre 8h et 9h. Bon, moi j'ai accepté parce que bon, j'étais dans une période où, tu vois ce que je veux dire, placard vide oblige. En plus, j'avais le ventre vide, précisément le jour du tournage, tu vois. Le gars, il vient me trouver. Il me dit, comme quoi, il vient me donner 40 euros aujourd'hui. 30 euros dimanche, parce qu'il voulait que ce soit fini pour dimanche. Là, on était le mardi. Tu vois, il voulait que ce soit fini le dimanche. Je lui dis, ouais, pas de problème, ce sera fini dimanche. Donc, il propose 100 euros. Je dis oui, tu vois. Je dis, bah, tiens, ça tombe bien, j'ai les plaques carbides. Voilà, quoi. Donc, déjà, si j'écoute son son, il est sympa. C'est assez personnel, ça parle de parents qui sont séparés et en gros ce que pense le petit au milieu. Ouais, c'est assez sympa. Ça va pu faire un bon truc. Bon, il vient, il me téléphone la veille, donc, comme je disais tout à l'heure, et il me dit qu'il sera là à 8h, quoi. Tu vois, donc entre 8 et 9, en gros. Donc moi, je me réveille vers 6h du mat et tout, je me prépare, tu vois. En plus, ces jours-là, il y avait des gens qui dormaient à la maison, donc je les ai réveillés super tôt, ils étaient la tête dans les vapes, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, et ouais, c'est moi, c'est petit, donc les gens dormaient à la maison, donc dans le salon, forcément. Et le truc qui se passe, déjà le gars il se pointe en retard. Il arrive, il est presque midi, tu vois. Il est presque midi. Bon, comment ça va. Mais déjà il a au moins 4 binous dans la gueule, le gars, tu vois. Déjà il arrive, il avait déjà des bières dans son sac, quoi, tu vois. Et donc. Donc le gars, voilà, quoi, bien, on parle un peu du clip, tout ça. Puis je lui signifie, comme il m'avait dit que ouais, qu'il me donnerait 40 balles aujourd'hui, tu vois, donc, enfin aujourd'hui, pas aujourd'hui, là où vous voyez la vidéo, aujourd'hui, je parle, là, on est le jour du tournage, hein. Pour se remettre dans le contexte, on est le jour du tournage. Donc il me dit, ouais, je vais te donner 40 euros aujourd'hui, 30 euros dimanche, et 30 euros, autres euros dans la semaine d'après dimanche, quand le clip est fini, quoi. Ben, j'ai dit ok. Et tac, j'ai dit ouais, mais bon, tu vois, j'ai le ventre vide, ça serait bien de bosser le ventre plein, quoi. Il me dit ok. Donc on bouge. On va. Il fait quelques courses, tu vois, bah, le truc. Voilà, le truc vite fait, quoi, tu vois. Genre des chips, du fromage de chèvre, tu vois, vite fait. Et il s'est acheté 5 bières qui s'est enquillé encore, tu vois, là déjà, il dit, tu vois. En plus, il en a bu une sur le chemin aller, sur le chemin retour, tu vois. Derrière ça, bon, il me dit qu'il a besoin d'enfants pour son clip, qu'il a besoin d'une marelle, etc., etc. Et donc, moi, je lui dis que je connais des familles qui vont dans un parc qui n'est pas très loin de chez moi. Et qui amènent leurs enfants pour jouer là-bas. Et que les enfants, justement, de ce parc-là, ils vont être ravis de jouer dans un clip, tu vois, et ravis de passer sur YouTube. Bon, on va au Mont du Plan, ça s'appelle le Mont du Plan, donc ce parc-là. On y va, on commence à tourner quelques trucs, l'heure de l'école. C'est l'heure de la sortie de l'école, pardon. Donc là, tu as tous les parents qui arrivent avec leurs gamins, tu vois.
Donc je vais parler aux parents. Les parents appellent les enfants. Et voilà, donc les enfants et des parents ont figuré du coup dans le clip, en plus du rappeur. Ensuite, ce nounours-là. Enfin, attends, j'en suis pas encore là. Donc voilà, on fait les rushs vers la tombée de la nuit. On rentre. On était censé regarder les rushs. Non, le gars, il n'était pas en train de regarder les rushs. Je ne sais pas ce qu'il foutait, tu vois. Au lieu de regarder les rushs, il préférait boire des bières. Tu vois? Donc le gars, il préfère boire des bières que regarder les rushs. Après, on sort. On sort et s'achète encore des bières, tu vois, machin, il boit encore des bières. Ce jour-là, il a bu, en tout et pour tout, de chez moi à quand il est parti, 19 bières. 19 bières, enfin avant de dormir, quoi, je veux dire. Parce que le gars a dormi chez moi. Je lui ai dit qu'il pouvait dormir chez moi, donc le soir, on est rentré. Enfin, d'abord, on rentre, et il y avait, on a fait du tournage sur fond vert. Donc, on a pris ce nounours que j'ai animé parce que lui, il veut pas trop qu'on voit sa tête, un petit peu vite fait, tu vois. Et donc, j'ai animé le nounours. Donc, au début, ça commence par OK ma gueule, tu vois, son texte. OK ma gueule, tu vois. Ok, Et ma là, gueule. j'ai animé ce nounours. Et juste pour lui faire dire OK ma gueule, ça représente 2 heures de taf. Tu vois? Bon, ça c'est après coup, pendant le montage. Bon, là on a filmé le truc. Et après j'ai dit, ouais, viens, on va regarder les rushs. Les gars, non, il vient pas regarder les rushs. Après il me dit, ouais, viens, on sort, on va manger, je vais me boire une bière, nanani, nanana. Donc on sort. Moi je suis végétarien, donc on sort, hein, là, à cette heure-là. Là, il est presque 2 heures du mat, tu vois. On va dans la dernière sandwicherie qui est ouverte, tu vois. Et donc le gars, il m'a payé un pain avec des frites dedans. Tu vois, je suis végétarien. Et il n'y avait rien sans viande. Il n'y avait que du pain et des frites. Tu vois? Donc j'ai mangé du pain avec des frites dedans. Et donc, voilà. On revient chez moi. Je lui dis qu'il faut regarder les rushs, mais non. Et quand il se décide à venir regarder les rushs, le gars, et en plus il avait séance de studio le lendemain matin pour peaufiner son son pour le clip, justement. Parce que là, c'est en gros, c'est la maquette qui m'a servi à monter le clip. Tu vois, donc, le gars, il vient, il s'endort là d'un coup, tu vois. Je lui montre les rushs et d'un coup, le gars, il est comme ça. Ah, forcément, 19 bières, ça aide pas. Ou plutôt, ça aide à dormir. Tu vois. Et à pisser, le gars, il a fait que pisser, pisser, boire des bières. Ok. Le lendemain, il se réveille et tout. Il me demande, ouais, si je peux lui prêter mon disque dur pour qu'il puisse regarder les rushs. Je lui dis non. Après, il me demande de lui envoyer les rushs, tout ça. Et moi, je lui demande, avant qu'il parte, le matin, enfin le matin, vers midi, parce que forcément le studio il l'a raté. Tu vois? Donc ouais, là, il devait être, je sais pas, moi, 14h ou quoi. Et le gars, il me dit, ouais, il me dit quoi? Il me dit ouais que ouais que il me rappelle, je sais pas quoi, et le gars il trace comme ça sans même me dire au revoir. Enfin, moi j'étais un peu vénère parce que en plus je venais lui demander ouais moi je croyais qu'il était parti dire au revoir aux gens de l'auberge, tu vois donc si en fait il part, il leur dit au revoir et il est sorti comme ça quoi, le gars, tu vois ce que je veux dire, et il revient pas. Il revient pas juste avant qu'il sorte de la chambre, donc je lui demande s'il peut me passer les 40 euros comme convenu, que je puisse faire des courses, parce que jusqu'à là, mon placard, il était vide. Et voilà quoi. Et donc, le gars, il ne me répond pas, il va dire au revoir là-bas, et puis il s'en va. Sans me dire au revoir à moi. Bon, après je me dis, ouais, peut-être il était bourré, cuvé sa bière, il n'a pas calculé, ou je sais pas quoi, machin. Donc je le recontacte par message et tout.
Je lui dis que, que voilà, que j'avance sur son clip. Et effectivement, après, j'ai avancé sur son clip, quoi. Tu vois, j'ai bien avancé sur son clip, j'ai quasi terminé. Mais comme le gars, il me dit qu'il vient, mais il vient jamais pour être là, pour me dire ce qu'il veut exactement. Donc moi, j'ai fait à ma sauce en calquant sur ses paroles, hein. Et donc, le gars, l'autre jour, Et à chaque fois, je lui demandais, tu vois, pour mes thunes. Et le gars, il voulait pas. Il n'arrête pas de réclamer les rushs, les rushs, les rushs, les rushs. Que je lui envoie les rushs, tu vois. Aujourd'hui, même pas aujourd'hui, il y a quelques jours, il est venu à la maison, je lui montre le clip. Ça lui plaît pas. Il me dit, bon, ça ne me plaît pas comme ça, on va faire comme ci, comme ça. Je lui dis, d'accord. Et je m'y suis attelé, tu vois. Le gars est parti. Le gars est parti, il me dit, ouais, bon, on se voit dans la semaine, ensemble, comme ça serait bien si on fait le truc ensemble. Genre, le gars me dit exactement ce qu'il veut, moi je fais au fur et à mesure, tu vois. Là, aujourd'hui, franchement, aujourd'hui, il me dit, ouais, je sais pas, il me dit, genre, laisse tomber, que lui, il va faire le clip de son côté, mais qu'il faut que je lui envoie, faut que je lui envoie les rushs parce que ça va pas le faire s'il n'y a pas les enfants dedans. Tu vois? Et moi, je lui réponds que c'est pas correct son comportement. Je lui ai répondu que c'est pas correct son comportement, mais ça a été direct les insultes, ouais, va te faire enculer. Tu vois, j'aime pas ce mot. Tu vois? Direct, ça a été des trucs comme ça, ouais, je fais 100 fois mieux que toi, ouais, tu me fais gerber, ouais, tu devrais me dire merci. C'est quoi son délire, tu vois? Je m'adresse à toi-même si tu regardes cette vidéo. C'est quoi ton délire? Je devrais te dire merci pour du pain avec des frites dedans? Il est où ton problème là? Je devrais te dire merci pour un paquet de chips et une boîte de houmous? Hein? Non, mais je te dis merci pour les heures passées sur le tournage. Je te dis merci pour les heures passées sur le découpage des vidéos pour faire les rushs. Tu vois? Parce que comme tu étais bourré à chaque fois, tu montrais ta tête quand il fallait pas. Hein, tu vois ce que je veux dire? Et que ça gâchait la vidéo. Tu vois? Ou que j'ai fallu des heures pour retirer les endroits où tu es en train de boire de la bière, où tu es en train de fumer des spliffs. Hein? Tu vois ce que je veux dire? Et après, toi, tu me dis, ouais, à ton âge, sors-toi les doigts du cul et va te trouver un boulot parce que je te dis ça en message privé. Tu vois ce que je veux dire? Ben moi, je travaille, c'est ça mon travail. En plus de faire de la scène, c'est ça mon travail. Tu vois? Mais si toi, qui es mon client, qui es censé me payer, si tu ne me payes pas, tu vois le truc ou quoi? C'est quoi ton délire? Tu es censé me payer, tu ne me payes pas. Et en plus, tu veux récupérer les rushs. J'ai passé des heures sur ces rushs pour que. Voilà, pour faire ton clip là. Voilà, j'ai passé des nuits blanches. J'ai animé le nounours plusieurs fois parce que, voilà quoi, j'ai pris plusieurs fois tout ton son qui dure 4 minutes. 2 heures pour quelques secondes. Voilà. T'es le genre de gars que t'es. Voilà quoi. On est ton frère quand t'as besoin d'obtenir quelque chose. Mais dans l'autre sens, ça marche pas. Donc voilà. Je vais me calmer un peu parce que c'est relou, quoi, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, moi je vous dis one love à tous les autres. Et pour les enfants là qui ont joué. Dans le clip, les enfants et les parents, ne vous inquiétez pas, je vais en retirer tous les rushs de ce rappeur de carottes là et je vais les mettre dans un clip à moi. Parce que aussi, ça, parce que je suis à la recherche de dates. Tu vois, je fais beaucoup de choses, j'ai énormément d'activités. Mais et ce clip là, je me suis mis sur ce clip, ça m'a freiné. Ça m'a freiné dans mes activités. Tu vois? Parce que j'ai fait que ça. Alors merci pour les nuits blanches, merci pour hein, merci pour les heures à blanc. Hein, du boulot, t'as cru que j'étais qui? T'as cru que j'étais bénévole ou quoi? En plus,
Tu ne peux pas me dire que les thunes, tu ne les as pas. Donc, je n'ai pas mes thunes, tu n'auras pas ton clip, tu n'auras pas les rushs. Voilà, c'est tout. Point barre. Et voilà, donc, vous inquiétez pas, comme je vous ai dit. Moi, je vous dis one love. Tu vois? Et c'est normal, il faut s'insurger. C'est pas qu'à moi que ça arrive, ça c'est sûr. Et j'en ai marre de ces situations à deux balles. Surtout que le gars, il me dit en plus, ouais, va te faire honte. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi je t'insulte même pas. Je t'insulte pas. Mais je vais te décevoir. Contrairement à toi, je ne peux pas me faire honk. Parce que je suis hétéro. One love. Je ne sais même pas où j'ai mis la télécommande pour couper la caméra. Allez.